Zambabi kama tikalo nayo efungama. Tu vas prendre tes deux mains, tu vas les mettre sur tes genoux comme ça. Ouais. Monissa. Comme quelqu'un qui s'attend à recevoir quelque chose. Comme ça. Zambabi kama tikalo. Aujourd'hui, il y a une onction financière. Zambabi kama e. La Bible nous dit que l'arche est allée dans la maison d'Obed-Edom. Et Obed-Edom est devenu riche. C'est-à-dire quoi? Il y a la richesse surnaturelle. Il y a aussi la richesse surnaturelle. Que personne ne vous mente que tout c'est dans le travail. Il y a la place du travail, il y a la place du surnaturel. Obed-Edom est devenu riche parce que l'arche de Dieu était dans sa maison. Il y a la richesse surnaturelle. C'est celle que Dieu veut te donner. Dieu veut te donner une richesse surnaturelle. Certains, vous allez sentir comme des picotements au niveau de vos mains. Certains, vous allez sentir comme du feu au niveau de vos mains. D'autres, vous allez sentir comme des trous au niveau de vos mains qui sont en train d'être bouchés. D'autres, vous allez sentir comme des chaînes qui sont brisées au niveau de vos mains. C'est un travail de l'esprit. C'est un travail de l'esprit. C'est un travail de l'esprit contre la pauvreté. 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 Car il y a la richesse surnaturelle. Chayayaya. Sois en train de recevoir seulement. 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 Il y a le surnaturel de Dieu dans tes finances. Il y a le surnaturel de Dieu dans tes finances. Alléluia. 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 Sois en train de recevoir. Sois en train de recevoir. Sois en train de recevoir. Nous entendons des gens, ils vont chez le féticheur et puis devient riche. C'est surnaturel. Si Satan peut le faire, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. D'où est venue la richesse de Salomon? Le surnaturel. D'où est venue la richesse d'Abraham? Le surnaturel. D'où est venue la richesse d'Isaac? Le surnaturel. D'où est venue la richesse de Jacob? Le surnaturel. Le Saint-Esprit est un esprit royal. Le Saint-Esprit est un esprit royal. Le Saint-Esprit est un esprit royal. Et l'esprit de pauvreté, il existe. La Bible nous dit, nous parlons des cavaliers de l'Apocalypse. Il y a l'esprit de mort, il y a l'esprit de guerre, il y a l'esprit de famine. Oui, la pauvreté, c'est aussi un esprit. Et le Seigneur veut délivrer les gens qui sont sous l'emprise d'un esprit de pauvreté, un esprit de blocage, un esprit de freinage. Et il veut t'introduire dans une richesse surnaturelle qui ne dépend pas de ta famille, qui est au-delà de tes capacités, au-delà de ton intelligence. Une capacité surnaturelle qui fait réussir tout ce que tu fais. Une capacité surnaturelle qui fait prospérer tout ce que tu fais. Une capacité surnaturelle qui accompagne tout ce que tu fais. Si les démons peuvent bloquer les affaires, donc Dieu peut bénir les affaires. Si les démons peuvent bloquer les finances, Dieu peut bénir les finances. Nous ne devons pas avoir que la foi négative des œuvres des ténèbres, mais avoir la foi de Dieu, la foi dans la puissance de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Coupez le drum, seulement le piano. Lève tes mains maintenant, là où tu es assis seulement. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit de pauvreté en ce lieu de quitter les vies, de quitter les vies. Au nom de Jésus-Christ. Thank you.
Au nom de Jésus-Christ. Feu! Je brise cette pauvreté démoniaque dans ta vie. Je la brise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À présent, je vais prier pour ceux pour qui Dieu m'a parlé. Ces personnes vont recevoir une onction financière dans leur vie. Ces personnes sont caractérisées par la libéralité. Si tu ne donnes pas, tu n'as pas la joie. Quand tu n'as pas partagé, tu n'as pas la paix. Cette onction, c'est seulement pour ces personnes-là. Yes. 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 C'est sur toi. Merci, Saint-Esprit. Amenez-les devant. C'est sur vous. C'est sur vous. Une onction de richesse. Une onction de richesse. Ce n'est pas sur tout le monde. Il y a des gens, s'ils ne partagent pas, ils n'ont pas la joie. Sa joie vient quand il partage. Là où tu es, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Le Saint-Esprit est en train de te oindre. Il est en train de te oindre d'une onction de richesse. Une onction de richesse. Pourquoi toi? Parce que Dieu est sûr avec toi. Tu vas partager. Tu vas donner aux autres. Tu vas aider ta famille. Tu vas aider l'église. Tu vas aider ton pays. Tu vas aider les pauvres. Tu vas aider les orphelins. C'est pourquoi cette onction s'abat sur ta vie. Reçois-la! Au nom de Jésus, il y a encore, le Seigneur a élevé Joseph. Il avait un bon cœur pour ses frères. Et toi, tu as un bon cœur. Dans le peu que tu as, tu partages. Dans le peu que tu as, tu partages. L'amour est une source d'onction. L'amour est une source d'onction. Là où tu es, que la puissance de Dieu te cherche, que la puissance de Dieu te cherche. Receive it! Mate keribo soya, yanda la bashaya, ekaraba sute, shanda la bakoto, ikataba shanda. Plus. Vous allez commencer à remarquer dans vos vies la facilité. Vous allez commencer à remarquer dans vos vies une grâce financière. Parce que Dieu sait que tu partages. Parce que Dieu sait que toi tu partages. Parce que Dieu sait que toi tu as le souci des autres. Le Seigneur te donne une capacité surnaturelle. Une capacité surnaturelle de réussir dans la vie. Une capacité surnaturelle. Là où les autres vont souffrir, toi tu vas passer rapidement. Ce qui sera compliqué pour les autres ne sera pas compliqué pour toi. La faveur. Rose kebegeshea, karanda basute leboya. Il m'a dit qu'il le donne. Il m'a dit qu'il le fait. Mon frère, tu seras béni dans ta vie. Cette onction va attirer le reste. Cette onction va tirer le reste. Ce que tu toucheras sera béni. Ce que tu entreprendras sera béni. Ce que tu toucheras sera béni. Ce que tu entreprendras sera béni. Ce que tu toucheras sera béni. Ce que tu entreprendras. Parce que tu as un cœur d'amour. Un cœur d'amour. Un cœur d'amour. Un cœur d'amour. Un cœur rempli d'amour. Shalabakote, Erabobo Shandalabasaya. La plus grande qualité sur la terre, c'est l'amour. La plus grande manifestation de l'esprit, c'est l'amour. Car si je fais des miracles, je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je fais toutes choses et je n'aime pas,
je ne fais rien. Tout disparaîtra. La foi, l'espérance et l'amour demeureront. Et la plus grande de toutes, c'est l'amour. L'amour permet de guérir les malades. L'amour permet de devenir riche. L'amour permet de devenir grand. Parce que c'est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. Tu vas vivre cette onction. Tu vas vivre cette onction. Tu vas l'expérimenter dans ta vie. Tu vas l'expérimenter. Et toi qui dans ta vie tu ne partages pas, tu ne penses qu'à toi et à toi. C'est pourquoi beaucoup de choses dans ta vie sont bloquées. C'est pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas. Parce que tu ne penses qu'à toi. Ton projet c'est moi, moi, moi. Ton rêve, moi, moi, moi. Tes efforts, moi, moi, moi. C'est pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. Aime et le Saint-Esprit t'aimera. Aime et l'onction t'aimera. Aime et la richesse t'aimera. Aime et le surnaturel deviendra ta vie. Alléluia. Ces personnes-ci, faites-les monter devant. Faites-les tenir debout en ligne, je vais prier pour elles. Aidez-les. Essayez. Faites une ligne. Regardez-moi comme ça. Une ligne. Une ligne. Soyez debout. Alors mes frères, moi je ne m'amuse pas à vous imposer les mains. Moi je transfère des choses. Pour la vie. Pour la vie. Alléluia. Pour la vie. Parce que moi, j'ai participé à des tels cultes jusqu'à aujourd'hui. Je sais qu'on m'avait communiqué. Mais ça fait des années, hein, des années. Dieu va faire de vous des riches. Je m'en fous de combien tu as en banque. Je m'en fous de combien tu as en banque. Je m'en fous. Vous êtes prêts? Il ne faut pas monter tout le monde. Hein. J'ai parlé des gens qui étaient touchés par l'onction. Sinon, c'est toute l'église qui va monter ici, hein, s'il vous plaît. Levez les mains. Vois des richesses abondantes. Tu le vois? Tu vois? Soyez prêts. Soyez prêtes. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, recevez! Recevez power, touche, touche, touche. Derrière, attention. Qui est derrière là-bas? Touche, touche, touche. Power, 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 power. Touche, touche, touche. Ce groupe-là, venez, le groupe debout là, venez ici. Fire! Touche, touche, touche. Touche, touche, touche. Touche, touche. Deux cuts. Touche, touche. Demain, nous allons finir. Dis avec moi, Seigneur, je veux devenir riche pour Dieu, riche
pour Dieu, riche, 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 pour Dieu. Que cela te soit accordé au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Gardez ce que vous avez reçu. Acclamons plus fort le Seigneur.